Yo les gamins, c'est Marco le 34, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui annonce deux choses. Une toute nouvelle série sur Clash Royale et les jeux qui sont similaires à Clash Royale. J'en aimerais comme Royal Clan et Jungle Clash, je crois. Puis là, j'ai déjà fait un combat parce qu'il y a un petit père dans le grand entraînement, parce que j'ai ouvert les coffres, plusieurs, des flèches, puis du chevalier. Donc je vais aller level up, allez, améliore. Attends, je vais améliorer mes flèches aussi. Non, ça va pas mal pour le deuxième combat. Ok, j'envoie mon bombardier. Une boule de feu direct. Voyons de quoi vous êtes capable, mais je sais que je suis capable. Allez, le petit géant. Avec le bombardier. N'hésitez pas pendant cette série à me proposer des decks. Et si vous connaissez aussi des jeux similaires à Clash Royale, de me les proposer parce que je parle du Clash Royale et des jeux similaires à ce que je fais. Parce que. Il y a plein de jeux que vous pouvez charger récemment qui sont similaires, comme Royal Clan et Jungle Clash en fait. Ok, il faut que tu fasses un bleu, Nous, je le vois pour aller tout au prochain combat. Je vais pas m'emmerder. Je commence tout de suite avec les géants. Bonne chance, et bien, va te faire voir parce que moi je vais niquer. Oui, les archers. Ah, mais j'ai déjà envoyé une pièce. Qui s'en va être trop. Ça fait trop de temps que ça va. Je vais mettre un petit bombardier de famille qui va nous pousser ce qu'il y a c'est encore vivant. Mais c'est un peu plus dangereux parce que j'ai fait le squelette, mais ça va toujours. Et on a un peu de chien. Voilà. Bon, easy, yes, total. Donc j'aurais bien voulu passer le corps d'entraînement, mais malheureusement, je ne peux pas. Ok. J'ai bloqué mon mousquetaire. Ça va là. Parce que c'était un peu dangereux. Ben, savez-vous quoi? Genre, moi, je vais faire une ellipse. Je cours. Ouais, non, je peux pas. Je sais pas si je peux faire une ellipse. Parce que ça, c'était chargé un logiciel de ma part. Sauf que je sais pas si avec lui je peux coller des vidéos. Donc, je vais pas sortir pour cette vidéo. Il y aura pas d'ellipse pour les prochaines. Je vous jure que je vais essayer de faire quelque chose. Il est 8 ans, rien, je sais pas quoi. Je vois, c'est juste quoi, je vais même le mettre en haut là. Mais tu vois, là, un petit chevalier. Je vais niquer par la usine, c'est pas. On va voir mon chevalier, mais je sais pas. Je vais la niquer par la usine, c'est pas. Je vais attendre le géant qui s'en va là. C'est un peu aussi pour trouver, comme je dis, des decks, des stratégies si vous voulez, que je sais, n'importe quoi. N'hésitez pas à me proposer ici comme des jeux, c'est une barre de Clash Royale. À commenter en mettant quel épique ou si je vais avoir une légendaire dans le coffre. Bon, là, ça c'est le coffre avec la épique que je vais garder pour la fin. Donc je vais faire tout de suite, juste pour la fin. Bon, je vais aller lever là mon bombardier. Allez.
Donc elle est... Je commence avec du géant. Ils avaient du mousquetaire après. Géant mousquetaire. Je vais niquer sa tour à cette personne-là. Il y a un petit bombardier qui ne fait rien. Voilà, sa tour est niquée. Bien, c'est quelle personne. Monsieur a gagné. On a bien vous faire une minute parce que je sais que ça doit être assez emmerdant. Mais malheureusement, je sais mettre. Je sais mettre. Je ne sais pas si je peux. Ça va être pour les prochaines vidéos. D'ailleurs, ce n'est pas un placement de produit, mais vu que j'ai testé beaucoup d'enregistreurs d'écran, je remercie un gars de YouTube. Là, ça c'est bon. Ça s'appelle Game Recorder. Ça s'arrête à enregistrer les jeux, les games. Quand je joue tout, entre autres. Très intéressant, ça enregistre les games quand je joue. Parce que, on va ouvrir cette carte-là. C'est vraiment juste les applications ou jeux que je veux que ça enregistre. C'est que je trouve ça pas, j'ai envoyé mon service. Donc, si vous avez une chaîne YouTube et que vous m'avez donné, vous voulez faire des vidéos sur tablette, iOS, n'importe quoi, mais je sais pas si c'est disponible sur iOS, mais vous allez voir, sûrement. Mais n'hésitez pas à télécharger cette application. Ça n'est pas tout à fait produit, mais c'est une très bonne application. Ah, les gobelins. C'est pas mal du tout. Ah, là, on envoie les petits mousquetaires, hein, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Mais bravo, mais ça marche, c'est trop facile de niquer, les gars. Voilà, c'est la fin de sa tour. Et peut-être ouais, c'est la fin de sa tour. Mais n'est-ce pas qu'il y a une sorte de clé. Ah ouais, 30 PV. Pour mon nom, Marcoul. Pop Marcoul. Marcoul. 1, 2, 3, 4. YouTube. N'hésitez pas aussi à proposer des clans que je pourrais rejoindre. Donc là, ça va être le dernier combat de du camp d'entraînement. Allez, j'envoie avec le bombardier et la mousquetaire. C'est bien ça, non? Quand j'envoie mon chevalier comme ça. Mon chevalier qui distrait ce coup de pas que je l'ai mis. J'envoie mon bombardier quand c'est sorti. Les archers, ça va me casser ce qu'il y a. Allez, 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 allez. Allez, viens, allez, allez. Je pense que je bombarde. Ça va attaquer les archers. Pose rien. Et voilà, j'ai mis qui t'attend, mon gars. On bombarde tout ce qu'il fait. Les avant, nous séparons. Son chevalier de loin. Mais je vais attendre, je vais faire l'attaque. J'ai un bombardier.
attaque, mais c'est pas si grave. Bim. J'ai vu un bombardier avec un mousquetaire. Et tout ça va, je ne peux pas ça. Je ne peux pas ça. Je ne peux pas. Bien. Et voilà la vieille totale. J'ai fini comme entraînement, je crois. Voilà, je vais faire l'argent. Qu'est-ce que j'en fous pour ça? Bon, on va ouvrir ce petit coffre-là. On va commencer à ouvrir le petit coffre en bois avec la épique parce que je vais tout de suite ouvrir le coffre en argent après. Pendant ce temps-là, on va ouvrir le coffre d'archer. Les gemmes, les archers, les gobelins. Oh, l'armée de squelettes! Bim! L'armée de squelettes dans le coffre gratuit. Voilà. Ben, je vais remplacer les gobelins par l'armée de squelettes et les archers. Ok, bon, on va faire que j'ai les archers. J'ai essayé les gobelins, c'est sans me donner. Je remplace les archers. Bon, puis là, je peux ouvrir quelle épée que vous croyez que je vais avoir. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Chevalier. Tu fous de ma gueule. Tu fous de ma gueule, c'est de l'armée de squelettes de merde encore. C'est de l'armée de squelettes. Non, je sais pas que c'est de la merde, mais pourquoi dans le code gratuit? Là, j'ai l'armée de squelettes, puis là, j'ai l'armée de squelettes. Ça fait chier. Donc on va faire un premier combat en ligne. Go. Du géant avec la mec squelette. Oh freeze. Ok ça va. Petit freeze. Petit freeze. Petit freeze qui fait chier. Mais c'est un petit freeze. C'est pas mal rien faire sur ce freeze. Vu que ça m'a bombardé, j'ai mis tous mes gobelins, mais c'est pas grave. Quoi qu'il y a même pas! Bombardier, comme ça, les archers. Si j'envoie l'arme de squelette contre son mousquetaire, il va venir pour ça. L'arme de squelette va mettre son mousquetaire, voilà. Viens, mon arme de squelette. Attends, attends. Yeah! Allez, puis les envoie jouer. Oh. Je pense que c'est le Air Circle, le plus petit qu'il y a pas sur une application. Parce que si je vois aller, j'ai trop peur que. Oh non, mon application ça. Ben non, on a juste pas arrêté. Oh non. Come on. What? Oh, tu les as fait. Je sais pas, ça m'a dit. Ça m'a dit. Je peux envoyer de l'armée de squelette sur sa tour. Ah ben ça tombe bien. Lance un géant qui va être plus rapidement. J'ai envoyé du gobelin. Ben voilà, j'ai gagné. J'ai gagné. Boum! En plus, ça va être la fin de cette vidéo. Je win sur la fin de vidéo. Avec un petit coffre en argent. Oh! Enfin, je ferai peut-être un top opening des deux ou d'un seul. Ça va dépendre à quand le prochain épisode. Si vous réclamez plus du Clash Royale ou d'autres. Pourquoi j'ai pas eu ce perfect des cartes là? C'est celle-là que je veux. Mais les gens, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, à aussi aller rejoindre ma communauté Google Plus qui s'appelle Marcool1234. C'est facile à trouver, Marcool1234. Et bien, à commenter, oui, quand j'ai commenté aussi des decks que vous aimeriez que je teste avec ces cartes-là, donc là, ça va dépendre.
De même que j'en trouve d'autres, sûrement dans ces petits coffres-là. Ceux-là et celui-là. Mais ça dépend de quoi je vais avoir. Qu'est-ce que vous pensez que je vais avoir dans mes coffres? Et des défis, genre, que vous aimeriez que je fasse. Le plus d'élixir, le moins d'élixir. Les plus rapides, les moins rapides. Les plus fortes, les moins fortes. À distance, sort les troupes. Je sais comment ça là. C'est ça, ici là. Ça, c'est, il y a une grosse différence. En tout cas, les gens, moi je vous dis ciao tout le monde.